toi, ta bibi les cailles de poisson, t'enchaînais pas sur poisse. Moi, j'enchaînais pas sur passe, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je passe sur trace. Faudra que je m'y fasse. Je t'ai pas calculé, je t'ai même zappé. La roue a tourné, tourné, pime dans ma face. Comment ça va? Déjà, félicitations pour ton projet. Merci. Cette soirée merci. Magnifique. Merci. Est-ce que tu es satisfaite du déroulement de la soirée? Très satisfaite. J'ai eu de la chance de trouver cette belle salle à la dernière minute. Ça a été compliqué avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais franchement, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Je suis contente. Ouais. Ils ont tout ça de mal, c'est moi. Aujourd'hui, ça fait pas. Ils font tous partie de mes proches, des personnes qui ont participé à ce projet de près ou de loin, par n'importe quel moyen. Et c'est vraiment des personnes, que j'apprécie énormément et qui comptent pour moi. Lourd, Linda, c'est l'une des meilleures chanteuses de France. T'es pas au courant? C'est dingue, Linda. Elle chante comme elle respire, cette fille. Tu vois? Et il y a très peu de chanteuses qui donnent comme ça sur scène, comme sur CD. Et c'est une fille, elle est passionnée. Elle chante avec les tripes. Et de m'éloigner de toi. J'ai prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Dis pourquoi tu fais ça, ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça, ah, ah. Pourquoi tu fais ça, ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça, ah, ah. Et j'ai entendu aussi que t'as fait un moment que tu travailles sur ton projet. Combien de temps exactement? Ça fait 9 ans. 9 ans? 9 ans. Ça m'a permis de me trouver un peu plus. Ça a été un travail de longue haleine, mais ça m'a beaucoup aidé. Et on porte le bébé 9 mois et je l'ai porté 9 ans, moi. Son projet, franchement, il lui ressemble. Il est très bien travaillé, très bien fait, elle chante très bien, les thèmes sont bons. J'ai eu un coup de cœur pour le morceau « Je te donnerai ». Franchement, je pense que c'est le morceau qui m'a donné le plus d'émotions. Chapeau, 10 sur 10. J'ai commencé la musique professionnellement, j'étais très jeune. Je suis partie en tournée avec la section d'assaut, avec Black M, etc. Et j'ai un peu oublié l'album. J'étais en train de vivre une vie de star sans être une star, en fait. La scène, c'est tout ce que j'aime, mais j'en ai un peu oublié mon album. Et puis, le fait de se trouver musicalement, d'être aujourd'hui ce que je suis, ça a mis du temps. Donc voilà. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Je te donnerai. Et quand je pense à nous deux, c'est moi ton encore quand on sera âgé. Moi mon amour, je te le donne à vie. Je te le donnerai. Et pourquoi t'as choisi ce nom? Papillon? Ouais. Tout simplement parce que les gens m'ont connu, j'étais dans ma chambre, dans ma chambre, ils m'ont connu dans ma chambre avec mon piano. Je ne sais plus ce que je veux et tu ne fais rien pour que tout se passe mieux. Et ma chambre, c'était vraiment comme mon cocon. Et tout le cheminement qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, l'aboutissement et l'envol de ce papillon, c'était comme une chrysalide. Et puis voilà, c'était... Tu grandissais dans ton cocon pendant 9 ans. Exactement. D'accord, ok. Et j'ai un peu vu la pochette. Avec qui t'as bossé dessus? J'ai bossé avec Black M, j'ai bossé avec Dajou, avec Fianso, avec Eva Queen, avec Soul King. Tu m'as appelé ma jolie, je me suis retournée, je t'ai souri. Tu m'en voûtais comme toutes ces filles, et moi non, je n'ai jamais rien vu venir. Je pourrais t'offrir la luna si tu m'as.
L'écriture. Oui. Tu écris toi-même, est-ce qu'on t'aide, est-ce que tu as des top lines aussi, comment ça se passe? C'est vrai que j'ai toujours écrit moi-même, j'écris moi-même mes morceaux, je top line toute seule, etc. Après, c'est vrai que quand il y a les équipes derrière qui viennent au studio me rendre visite, etc., en dadju, etc., c'est vrai qu'ils donnent un peu leur grain de sel, et puis voilà, ça fait de meilleures choses avec de plusieurs cerveaux. Et de quoi tu t'inspires un peu pour écrire? Tout simplement de la vie, de mes amis, de ce que j'entends, et de surtout ce que j'imagine. D'accord, donc c'est comme un bon film, t'écris tes scénarios. Exact, exact. D'accord, ok. Depuis quand je connais Linda, je la connais depuis pas très très longtemps, mais je suivais ce qu'elle faisait un peu depuis quelques années. Et voilà, c'est une artiste que je kiffe. J'aime trop sa voix, je trouve qu'elle est archi talentueuse. Elle a la même sensibilité artistique que moi. C'est-à-dire les vibes qui la touchent, elle, ils me touchent moi aussi. Donc on se comprend beaucoup musicalement. Et c'était très facile. Quand c'est comme ça, c'est très facile. Moi, j'aime beaucoup Viens, on parle. Peut-être que c'est le cas de beaucoup de gens, mais moi, vraiment, j'aime beaucoup ce morceau. Je trouve que la vibe est bonne, que l'instru, comment elle a posé dessus et tout, je trouve que c'est bien. Viens, on va échanger. Faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse changer. Viens, on va échanger. Faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse changer. Viens, on va échanger. Faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse changer. Viens, on va échanger. Faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse changer. J'ai jamais vu ça en fait. Elle a mis 10 ans, presque 10 ans à faire cet album-là. Donc c'est énormément de travail. J'ai trouvé vraiment, il est vraiment très bon cet album, très qualitatif, très polyvalent et avec de très bons featuring. Et voilà, c'est à la hauteur de son talent. Linda, ça fait dès le début avec Issam, il avait vraiment senti un énorme potentiel. Il a fait un travail monstrueux sur elle. Elle s'est accrochée, elle s'est battue et au final, ça donne de très beaux résultats. Tu gères le stress et tout, monter sur scène, c'est surtout que t'es monté sur des grosses scènes. C'est ça. Mais franchement, figure-toi que moi, c'est ce que j'aime le plus dans la musique. Bon, j'aime bien les séances studio, j'aime bien écrire, j'aime bien tout ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la scène. C'est vraiment, je prends un plaisir de fou malade quand je suis sur scène. Je kiffe ma life. Et voilà. C'est... Du coup, tu penses même pas au stress en fait. Tu vas pour. Je suis excitée. Ah oui, je suis excitée. Ah non, il n'y a pas aucun stress, aucun stress. Ce que je pense du projet de ma sœur, Linda, c'est un projet pour lequel elle s'est battue de ces 9 dernières années. Elle a tout donné, donc elle a tout le temps retardé son projet à chaque fois parce qu'elle voulait vraiment donner le meilleur d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui aime vraiment la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment une passionnée, c'est pas elle fait de la musique pour faire de la musique. Aujourd'hui, je sais qu'on fait un peu tout et n'importe quoi parce qu'on a envie. Elle, c'est vraiment par amour de la musique. Du coup, elle se sous-estime dans son talent. Elle se sous-estime dans ce qu'elle sait faire. Et ce qu'elle sait faire de mieux, c'est écrire, chanter et interpréter. Et du coup, sur ton projet, il y a beaucoup de styles différents. Est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, je vais faire tel style, tel style, tel style pour montrer que c'est ça mes goûts, c'est ça mes couleurs? Ou c'était au feeling, t'as entendu la prod, t'as dit celle-là, allez. Et puis finalement, ça s'est fait un peu... Ça s'est fait vraiment au feeling. J'ai pas voulu mettre d'objectif, de but ou de direction. Après, tant mieux, parce que dans mon album, il est homogène, et il est universel. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, ça se relie et ça va pas dans tous les sens. Mais je me suis pas restreinte. J'ai rencontré Linda sur le Planet Rap de Imen ES. Trompé par mon cœur, trahi par ma sœur. On s'est rencontrés, on a passé un bon moment ensemble et je l'ai kiffé. Donc après, elle m'a demandé un feat et j'ai dit non. En gros, on a travaillé d'abord, elle est venue, elle m'a proposé un son, j'ai dit ouais, ça pourrait être cool, etc. De base, elle m'avait prévu un couplet. Finalement, j'ai dit vas-y, moi, tu vas voir, je vais te ramener mon truc à moi, tu vois, qui me ressemble de ouf et tout. J'ai fait mon couplet, en fait, ça a archi bien matché toutes les deux. Et de toute façon, je savais que ça allait bien se passer, donc voilà. Comment t'as choisi tes featuring? Parce que comme tu me disais tout à l'heure, il y a Eva, Soul King, Dadju, Black M. Et Fianso. Fianso, voilà. Ouh là là, on allait l'oublier, faut pas l'oublier. Comment t'as choisi ces featuring-là? Franchement, ça a été des featuring de cœur. Moi, je travaille beaucoup avec le cœur et surtout au feeling. Eva, on s'est rencontrés au Planet Rap d'Imen.
Et ça a beaucoup matché, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Bien sûr, je suis Linda depuis très longtemps, depuis WATV. Et franchement, c'est une consécration de voir son album arriver à Papillon. Et voilà, c'est une consécration, hein, maintenant que l'album s'envole, on attend ça avec impatience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que le projet plaise déjà pour commencer et que ça aboutisse à une tournée parce que voilà, comme je t'ai dit, la scène c'est mon kiff et rencontrer mon public de part et d'autre, des horizons, donc voilà ce qu'on peut me souhaiter. Comme tu le sais peut-être pas, depuis tout à l'heure je tiens ça à l'envers. L'émission elle s'appelle Je passe sur Trace, on passe sur Trace TV. Qu'est-ce que ça te fait de passer sur Trace ? C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Moi, Trace, j'étais derrière mon écran en train de regarder Trace depuis longtemps. Et aujourd'hui, de faire une interview pour là, c'est pour toi qui vas passer dans ouais. L'écran, là. Bah ouais, grave. J'ai déjà eu des clips qui sont passés sur Trace, mais là, ça fait plaisir, c'est cool. Ça me fait plaisir, c'est tout un aboutissement et ça fait plaisir. Bah écoute, félicitations encore. C'est tout, ma chérie. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Pour tout arrêter y'a des centaines de mots. Mais j'ai pas envie de m'excuser. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire